Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce stream sur Oulicube. J'espère que vous avez passé un bon samedi, j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Moi c'est le cas, j'ai un peu chaud. Et donc coucou à tous ceux qui sont déjà arrivés, salut Mofico, salut Purge, salut Lag, salut Pingsou. Mon garçon va très bien, en fait il s'est réveillé ce matin sans aucune séquelle, sans aucun souvenir peut-être même de cette vilaine guêpe. Oui, les endgates ne s'ouvraient pas à cause d'un bug en fait, donc on a résolu le problème avec le mode créatif de Shuka qui nous a créé une endgate, c'est pour ça qu'on est prêt ce soir. Salut Nathan Berna, pardon, salut Glurost, salut Anatole, coucou Charivari. Salut Omama Mia, salut Galinetta, salut Anatole, salut la main fâchée. Et ben y a pas de souci, The Purge. Et ben pas de souci à toi, repose-toi bien, passe une bonne soirée de ton côté et à bientôt. Salut Florian, coucou Alpsa aussi, salut Poloche, j'espère que vous allez bien. Moi ce soir j'ai très chaud comme je le disais, donc je n'ai pas pris ce soir exceptionnellement, je n'ai pas pris de thé. Donc j'ai un petit verre Bob l'éponge, voilà, avec de l'eau tout simplement. Et coucou Alps, salut, comment es-tu depuis hier soir? Voilà, voilà. Hop, hop. Oh l'Enderman, salut la famille. De l'Enderman, on risque d'en bouffer ce soir. Et salut Walkard, chaud aussi, mais ça va, bah, tant mieux, tant mieux. Et donc, ce soir, même les verres sont custom. J'ai eu du mal à le trouver, j'en ai beaucoup moins que les tasses quand même. Je suis plus tasse custom que verre custom d'ordinaire, mais bon. Bref, ce soir, c'est le déménagement. On va essayer de ramener des trucs dans notre base de l'End. On va commencer à se poser, on va essayer de trouver un endroit pour s'installer en planifiant peut-être déjà quelques repères au sol, savoir où on met par exemple l'axe central de la base. Et puis si vraiment on a le temps, j'ai une petite construction à faire dans l'End pour commencer la base. Petite construction mais qui vous donnera le ton un petit peu. Donc voilà, voilà, voilà. Donc c'est parti, on se lance, hop. Donc je suis dans ma petite base souterraine au spawn d'Holicube côté Overworld. Je ne l'abandonnerai pas parce que j'aurai toujours besoin de miner dans l'Overworld, hein. Dans l'End je pourrais pas miner pareil. Est-ce que j'ai le son du jeu? Oui j'ai le son du jeu. Merci beaucoup Galinetas. Du coup on va rapatrier des ressources, hein. On a quand même des choses à ramener. Notamment ce genre de choses qui vont nous servir pour la construction, hein, et qu'on ne trouvera pas dans le Nether, justement. J'ai farmé un peu de diamants cet après-midi pour me renflouer après l'achat de tous les cristaux. Ça pourrait être utile. Et voilà, j'avais ça aussi. J'ai du bois, on va se faire des shulkers pour le déménagement. Paf, pif, ouf, voilà, on a 13 shulkers, ça suffira peut-être pas pour tout faire en un seul voyage, mais on va
faire ce qu'on peut. J'ai des frises. Hop. Parce qu'après, on a des choses aussi dans le Nether à récupérer. Bon appétit, cher Ivary. Et bah, c'est super cool, Bingsu974. Merci beaucoup à toi, ça me fait très plaisir. Donc, du coup, tiens, j'en profite. Si vous aimez mon contenu et que vous aimez le RP sur Holicube, n'hésitez pas à aller checker sur ma chaîne YouTube puisque j'ai sorti aujourd'hui à 17h l'épisode 3 du Holy Business. Demain, vous aurez un petit, une petite mise en bouche dans le Holy News de Aurélien Sama à 17h. Mais comme la dernière fois, c'était beaucoup trop long pour son format de Holy News, à partir de maintenant, le Holy Business complet n'est disponible que sur ma chaîne, et dans le Holy News de demain sur sa chaîne, il y aura juste une petite présentation rapide pour vous donner quelques informations RP sur l'économie, mais vraiment très court, en une minute, alors que le vrai Holy Business, un peu plus long, un peu plus développé, et j'espère un peu plus dynamique que la dernière fois, est sur ma chaîne, mais il est déjà consultable en fait. Moi je les sors le samedi à 17h. Et demain matin à 10h sur ma chaîne YouTube, toujours, hein, ne manquez pas la première de mon épisode numéro 1 timelapsé de la construction de ma demeure du Nether. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, avec une musique sympa, avec du commentary et avec des timelapses comme j'adore les faire. Donc voilà, du coup je pense que je vais vraiment faire comme ça, c'est complémentaire au niveau de des rediffs de stream et les épisodes, c'est à dire que sur Twitch et sur YouTube avec les rediffs, vous avez tout ce qui fait vraiment la vie du serveur, des moments de RP comme hier soir avec Bouboune par exemple. Vous avez aussi tout ce qui va être un peu de farm, hein, parce que ça m'arrive d'en faire en stream. Tout ce qui est construction pure et dure, posage de blocs. Et après, sur YouTube, vous avez en plus de temps en temps des petits épisodes que je vais essayer de bien monter, qui seront courts, mais qui vous présenteront en timelapse les principales constructions que je vais faire cette saison. Donc j'espère que ça vous plaira. Et coucou à Calis. Je viens juste regarder Holy Business et après ça critique mes blagues. Mais oui. Qu'est pas ça? Loseron. Contre spec de Bartak. Loseron. Tout un programme. Et merci à tous pour tous les follow. Merci beaucoup et bienvenue à vous sur la chaîne. Hier soir, on était nombreux en vocal d'Holicube, donc j'ai très peu prêté attention au chat. J'ai peu lu vos messages, je suis désolé. Mais ce soir, je vais me rattraper, donc n'hésitez pas. Et merci beaucoup, Christo. Bonsoir à toi, ça me permet de rappeler le petit tag. Vous pouvez me taguer dans le message en mettant @oran_, comme vient de le faire Christo. Et moi, sur mon retour de chat, le message s'affiche en surbrillance, donc je le vois plus facilement. N'en abusez pas, je vous fais confiance. Mais voilà, si vous avez vraiment quelque chose qui m'est adressé et que j'ai pas vu, voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et coucou, Mimich. Allez, sur ce, donc, dans l'espace, il va être important de bien manger. Donc, on va emmener de quoi faire pousser nos premiers champs spatiaux. Très important. Dans la base spatiale, il y aura des serres, il y aura des usines, il y aura des mécaniques redstone. Donc, on va emmener déjà un peu de nourriture. Par contre, faut que j'en replante quand même, faut pas déconner. Alors, combien il me faut de stacks pour faire au moins un champ complet comme celui-là? Hop, là j'en ai déjà consommé un stack. Donc avec deux stacks, on devrait être tranquille. Donc c'est bon. On fera à peu près la même surface. On va faire pousser des carottes de l'espace, les amis. Et salut Mélusine en grève. Alors, je sais pas pourquoi en grève, mais j'aime beaucoup Mélusine, ce prénom, je l'aime beaucoup. Et salut Dan Jedi. Bonsoir. Bonsoir. Alors ensuite du blé, ça aussi, on va faire pousser du blé de l'espace. Hop.
Alors, pareil, pour faire un champ de cette taille, bah, c'est pareil que les carottes, en fait, il faut deux stacks de graines. D'habitude, les graines, je les recycle dans un composteur, mais là, je ne vais pas les recycler. On fera venir aussi, je sais pas comment, hein, mais des PNJ dans l'espace pour leur faire cultiver les champs et tout, hein. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On va se lancer dans de la redstone. C'est bon, j'ai un peu plus de 2 stacks. Hop. On va emmener un peu de blé, ça peut toujours servir, et un peu de pain. Voilà. Hop. Donc ça, c'est la shulker nourriture. Ou végétaux. On va emmener des algues parce que je vais m'en servir comme carburant, comme générateur d'oxygène, etc. pour le RP. Donc ça, on va en avoir besoin. Du bambou, des graines de betterave, des graines de pastèque. J'ai une pomme de terre. On va aller loin, mais bon. Des lianes, on peut en prendre. Ah, la canne à sucre, il m'en faut plus que ça. Ah bah tiens, j'ai du pain là, qui traîne ici. Je vais remonter là-haut chercher un peu de canne à sucre. Et coucou Obélix! Bienvenue à tous et merci pour les follow. Bienvenue, bienvenue. Alors j'ai un ventilateur, je ne l'ai pas sorti parce qu'en plus je me dis que ça ferait du bruit pour le petit, mais bon. Alors on va récupérer un peu plus de bambou. Hop. Ah, attendez, celui-là on va le replanter. Du bambou de l'espace. Moi, ce que je dis, c'est qu'on pourrait vendre aussi des space cakes. On pourrait faire des gâteaux dans l'espace. Ça serait nice. De toute façon, je pense que dans la boutique Orana Corp, on va pouvoir se faire masse produits made in space. Et je pense que d'un point de vue marketing, ça va se vendre. Et coucou Tedios. Ouais, Akalis, c'était super chouette. Le zoo de Vincennes, le parc zoologique de Paris pour son nom officiel. Il a été refait il y a quelques années de ça et il est vraiment super. C'est un zoo très moderne, vraiment très très chouette. Alors, ça on va emmener. Ça on va emmener. J'ai qu'un seul œuf, on va pas aller très loin avec ça. TNT, ça peut être utile si on a besoin de faire. Il me faudrait une machine à dupliquer les. Le basalte. Et donc, vraiment, le parc zoologique de Vincennes, il est super chouette. Oui, j'étais un peu fatigué hier, ouais. Alors, Bingzhou, je suis professeur des écoles. Donc, en fait, je suis instit. J'ai des élèves de CE1, donc j'enseigne toutes les matières, en fait. Mais il y a les matières voilà, qu'on enseigne au CE1. De l'anglais, un peu d'histoire, un peu de science. Beaucoup de français, beaucoup de maths, de niveau CE1. Voilà. Bon, des œufs, j'en ai qu'un. Hop. Hop. On a une basalte ferme s'il faut, Oran, sauf si t'en veux une dans l'Aisne directement. Ouais, je pense qu'en fait, je verrai. Mais je pense que j'en ferai une grosse consommation en fait. Donc, quitte à en avoir une AFK, voilà. Je vais me faire des petites machines. Moi, je suis pas très overkill, hein, mais je veux m'installer. Je veux que ça fasse base quand même. Je veux pas que le vaisseau soit autosuffisant. C'est pas le cas. Ok. Ok, 14, 140 000 ou 14 000, il a dit quoi? Non, 140 000. Bon, j'irai me faire un tour. Donc, je veux pas que le vaisseau spatial soit autosuffisant, c'est pas vrai, il y aura des matériaux comme je vous disais que je produirais ici, mais dans l'esprit, je veux que quand même, quand on le visitera, on se dise, ah ouais, il y a plein de petites machines, il y a plein de petits trucs, même si c'est des petites productions, mais que ça paraisse, voilà, un monde qui peut être autosuffisant pour plein de produits Minecraft, en fait. Pour le RP, bien sûr, pour le RP. Alors, en termes de produits précieux, on va ramener
l'or, les shulkers. On va ramener la redstone. On va en laisser juste un tout petit peu ici. Voilà, ça on peut laisser. Le lapis, je le laisse parce que j'en ai besoin pour finir la déco de la bourse. Le fer, on va en laisser un tout petit peu. Le charbon, on va ramener. L'opsy, on va ramener. Citrouille, j'en ai déjà une, mais je vais la remettre là. Le reste, on peut laisser. Du charbon, on ramène tout ça. Alors du coup, non, on va pas ramener ça. Voilà, on va ramener que tout ça. Hop. Hop, voilà. Non, non, Alpsy, déconne pas. Ouais. Petite piscine, pépouze, allez sur Discord. Et sur le Discord, ok. Alors, ensuite, on a un peu de matos qu'on va ramener. Hop, une petite shulker. Deux cobbles. Hop. À terme, je ferai là-bas une belle salle des coffres automatisée avec... faudrait que je regarde un design de shulker, en fait. Avec shulker, je veux dire. Je sais pas si j'aurais besoin d'autant de stone que ça, mais j'en aurais besoin quand même, donc autant ramener ça là-bas. Voilà, déjà deux shulkers, c'est pas mal. Allez, trois shulkers, comme ça on sera large pour commencer. Ça, je vais avoir énormément besoin d'andésite, hein, tout. Ok, andésite, gravier, tout ça, je prends. Et bien sûr, diorite, par contre, je vais en laisser un peu parce que j'en ai besoin pour finir la bourse. Donc là, j'ai deux stacks de quartz. Il y aura peut-être pour la bourse, je sais pas. Ça, du quartz, il m'en faudra masse. Hop. Il me faudra énormément de béton et ça, du béton, j'en ai pas. Mais on a une duplicateur, un duplicateur à béton sur le serveur, donc c'est cool. De la terre, j'en ai pas beaucoup, il m'en faudra pas mal. Je vais aller en chercher... me faire une shulker de terre et je vais aller en chercher à la bourse. Voilà. L'andésite. Donc sable, j'en ai pas beaucoup, dis donc. Hein. C'est un peu la misère. Et pommes. Pommes, j'en ai pas besoin. Ça, pur, tout ça. Rails, je vais les ramener, les rails, parce qu'on sait jamais. De l'eau, je vais en avoir besoin. La ficelle, je ramène aussi. Ça, la glace. Ah oui, et ben voilà, c'est pour ça. J'avais pris de la glace pour m'installer dans l'end, en fait. Pour pas avoir besoin de prendre de l'eau, en fait. Hop, donc ça, ça va être la shulker à bordel. Et coucou, tous ceux qui arrivent. Salut Tango, salut Marco. Et salut Albert, bienvenue à tous ceux qui arrivent. Coucou le roi des bananes. Coucou, coucou. Ah, je sais ce dont j'ai besoin et qu'il faut que j'aille chercher, mais ce sera dans ma base de land. Du lapis. Il faudrait que je fasse une salle d'enchant, mais pas dans un premier temps. Du coup. Du bois, oui, mais de toute façon, faudrait que j'en fasse pousser. Ah, j'avais pas un bâton de blaze, non, ça doit être dans ma... dans l'end. Hop, bon, allez, du coup... ah si, ça aussi, je peux prendre. Poudre d'os. Hop, voilà. On embarque tout ça. Finalement, j'ai pas tant de choses que ça à déménager. Hein. Ça va relativement vite. Motep. Ah là là, t'as pas la ref. Et regardez, alors, j'ai mis le t-shirt avec les vaisseaux spatiaux. Voilà, comme ça, comme on va dans l'end. Voilà. Voilà, voilà.
l'impression qu'il va faire nuit dehors. Non, c'est vrai, il n'y a pas tant de cartons de déménagement que ça, mais j'ai pas fini. Hein. J'ai pas fini. On va dormir ici pour faire passer la nuit et puis faire passer les fantômes. Voilà, voilà, voilà. J'adore Star Wars. Non, Marco, c'est... faut plus demander ce genre de choses. Plus. Alors, donc ici, est-ce qu'il y avait d'autres choses? L'arrêt détecteur, on s'en fout un peu. Je vois rien d'intéressant ici. Hop, allez où? On part. D'abord, on va aller à la bourse. 2-3 trucs à récupérer. J'ai plus de bouffe. J'ai tout mis dans la shulker de bouffe. Alors, là, Orana Corp. À mon avis, on n'a rien vendu, mais on va quand même vérifier. Une tasse spatiale. On n'a rien vendu. Alors, c'est dommage, pour l'instant, les maps, c'est pas prêt d'être prêt. Ah oui, c'est ça que je voulais montrer. Je veux vous montrer. Je l'ai montré sur Twitter, donc vous savez sûrement de quoi je veux parler. Ça se trouve, vous n'allez pas aimer, ça se trouve, vous n'allez pas être hype. Mais c'est pas grave, moi j'aime bien. Je me suis dit que, étant donné que nous allons vraiment maintenant nous concentrer sur les projets dans l'espace, les projets de la Orana Corp, il était temps de donner une identité visuelle forte à notre entreprise. Surtout pour qu'elle défende sa valeur au Q40, ça fait 2 semaines quand même que l'action baisse de manière consécutive, et je cherche mon fichier, voilà. Et donc du coup, il était temps que ça change. Donc voici, ah oui, en plus, c'est gros, voici la nouvelle identité visuelle de la Orana Corp. J'espère que ça vous plaît. J'ai fait ça... Je dirais pas vite, mais c'est pas non plus, je suis pas un graphiste, donc j'y ai pas passé 3 heures, alors que j'ai sûrement des petits défauts, des choses que j'aurais pu améliorer, mais voilà un peu le logo que j'ai fait pour la Orana Corp. Voilà, voilà. Propre, magnifique classe, merci beaucoup, c'est très gentil. Alors, est-ce qu'on a des rendez-vous? Non, pas de nouveau rendez-vous. Est-ce qu'on a eu des achats d'actions? Et salut Mr. Bowley. Non, donc voilà, tout va bien. Tout va très bien. Coucou Mr. Guimauve. Et donc, bien sûr, ce logo, super sympa, merci. Je peux le décliner plein de formats différents. Par exemple, j'ai la version comme ceci. Alors là, bien sûr, vous voyez pas très bien parce que voilà. Alors c'est ça que je voulais choper, la terre. Pour partir avec de la terre. Hop. Ah oui, et puis il faut que je prenne de la nourriture. Où est ma nourriture? Où est ma nourriture? Évidemment, c'est la dernière shulker que je regarde. Voilà, prenons de la nourriture. Merci Mr. Guimauve. Et donc voilà. Il est pas mal comme ça. Le pharaon, il manque un. Non, ça fait le pharaon, on comprend pas. Et donc, je peux le décliner aussi. Mais c'est le même, hein, mais. Un comme cela. Voilà. Là, c'est plus. Orana Corp. Du coup, j'hésite quand je serai dans l'End, j'hésite à mettre Orana Corp. Pas comme ça sur le stream en fait. Ouh là 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 là. Tu vas faire quel piece. Quel design. Quel design. Quel design. Wow. Cette version fait très smart, je trouve. Mieux en blanc, je trouve. Ouais, ouais, ça dépendra de la situation, en fait. J'ai fait un logo qui peut s'adapter à
à plusieurs situations en fait. Ah, ça y est, vous êtes parti dans toutes les citations possibles de Mission Cléopâtre. Ouais. Où suis-je? Où vais-je? Je voulais manger. Je voulais manger. Alors après, il n'est pas parfait ce logo, notamment le R de Corp à la fin. J'aurais peut-être dû le décaler un peu vers la gauche pour qu'il soit un peu plus intégré, qu'on le voit mieux en fait. J'aurais pu faire ça, mais je m'en suis aperçu un peu tard, j'avais la flemme de tout refaire. Mais bon, voilà. Tu me vois? Tu me vois plus. Mais ouais, Atlanticium, mais... du coup, vu que tu viens d'ouvrir ta zone dans les NEC, ton projet va commencer, le Rania Corp devrait prendre en valeur dans les semaines à venir, c'est peut-être le moment d'acheter vu qu'elles sont sûrement au plus bas actuellement. Alors, effectivement, pour l'instant, les actions sont à 12 diamants par action, et Apier, on a acheté récemment pour profiter de ce prix bas, et donc il ne reste, il reste que 15 actions au Rania Corp en vente, effectivement. Effectivement. Du coup, allez, pour se faire plaisir ce soir, hop, on va laisser le petit logo Orana Corp. Vous voyez le R de Corp, quand je réduis, ça va peut-être pas tout à fait. Ok. J'arrive après. Après, voilà. Pas moi qui fais le cours des actions. Enfin, si, mais non. Impose une honnêteté intellectuelle. Hein, si. Et le hasard intervient. Hein. Hors RP, il y a une partie des formules qui permettent de déterminer la valeur des actions qui est du hasard, en fait. Et salut l'eau multicard. Oui, je m'installe dans l'end, c'est ça, Mr. Bolloli. Alors, ici, on a sûrement des choses à prendre. Donc, j'avais, voilà, une shulker avec de la terre. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a à prendre ici? On va reprendre de la terre, on va prendre ça. Là, j'avais du bambou, bah le bambou je le laisse ici, j'ai un œuf. Ça, les dalles noires, je vais les prendre parce que je vais en avoir besoin. Ouais, je vais... Pour l'instant je vais le laisser là. Ah, des œufs, voilà, si je veux faire un peu de bouffe. Du verre, j'en aurais pas besoin ce soir, mais à terme j'en aurais besoin quand même. Étiquettes, je les laisse parce que là les étiquettes elles appartiennent à cube 40. Le bois je peux le laisser parce qu'on va récupérer tout ce qui est dans le... Ça on va en laisser un tout petit peu, mais je vais en ramasser parce que je vais avoir besoin de faire de la cuisson. Voilà, on va laisser tout ça. Item frame, ça on le laisse, ça on le laisse. Pour l'instant on le laisse. Ah tiens, des fourneaux je peux en prendre. Hop, ce sera ça déjà fait. Alors, de la terre. Du coup ça va être un peu le bordel, hein, tant pis. De toute façon. La terre en fait il faut que j'en prenne. Ah non, le gravier il faut que je laisse, j'en ai besoin ici. Ah mais j'ai du lapis là. Oh nice, du lapis. Du quartz il faut que je laisse. Terre noire taillée, je vais en prendre pas mal. Mais il faut que j'en laisse un peu quand même. Sable des âmes. On peut peut-être en ramener de ça. Je ne sais pas à quoi ça servira, mais ça peut être utile. Les lanternes, on les laisse parce qu'elles ont été achetées avec les sous de cube 40. Les barres de l'end, j'en aurais besoin ici, mais je vais en prendre quand même. J'en ai besoin ce soir. Le tombeau, sera votre tombeau. C'est ça. Est-ce que les actions vont être rentables pour toi? Pour l'instant, c'est rentable, mais j'ai beaucoup d'investissements. Donc, c'est à la limite du rentable. Après, quand les investissements pour Q40 vont se tasser, oui, je pense que ce sera bien rentable. Ouais. Mais tout dépend de l'activité des joueurs, en fait. Quand il y a des joueurs qui investissent, c'est rentable. Quand il y a des joueurs qui vendent des actions, c'est rentable. Si personne ne participe, c'est plus rentable, ce qui est tout à fait logique. On peut ramener des baies aussi, tiens, pour faire... De la pousse de la culture. Du coup. Ah non, attendez, j'ai une shulker de terre là pour le coup. On va quand même ranger ça au bon endroit. Voilà. Voilà. Hop. Zou.
Hello Atkara. Du coup, maintenant on va filer dans le Nether, on va récupérer d'autres shulkers. Et on reviendra de toute façon dans la zone commerciale, parce que si je veux construire un petit peu ce soir, j'aurai besoin de venir acheter du matos, parce qu'il y a des trucs que j'ai pas, notamment du béton, et notamment pas que du béton, du basalte aussi, je crois que j'en ai plus beaucoup, faut que je regarde dans ma maison. Hop. Alors, il y a un shulker avec des carapace. C'est ça. Yes. Du coup, ici, voilà, j'ai du bois. Je vais plutôt utiliser du bois rouge parce que le bois rouge, a priori, j'en aurais un peu moins besoin. Voilà, j'ai des coffres. En fais-tu, en voilà. Yes, Adkara. Alors, ce fut une petite ruse hein, qu'il a fallu mettre en place. Voilà, ça, je vais en avoir besoin pour faire un coffre de l'end. Donc ça on embarque, ça on embarque aussi. Et je vais pas avoir assez de place pour tout emmener, dis donc. Donc on va mettre ça là. Hop. Voilà, blinde un peu là. Donc je vais avoir besoin de briques du Nether. On va emmener, on emmènera aussi. C'est pas mal la Netherrack. On va laisser ça, on va en emmener aussi comme ça, on en aura au cas où. Bois. On peut emmener une table de craft, ça évitera d'en refaire une. Un composteur pareil, le reste c'est bon. Hop. Ouais, le reste c'est bon. Alors, basalte, ça je vais en avoir besoin ce soir. Si je peux commencer à construire, donc on emmène. Le reste, je reviendrai farmer ici. Merci beaucoup pour les follow. Non, non, il m'en faut pas beaucoup pour ce soir. Hein. Et même après, je sais pas trop combien il m'en faudra. Pupille de fer, on va laisser lanterne pour l'instant, j'en ai pas besoin. Tau noir non plus. Hop, hop, hop. Ça va emmener les champignons, j'en ai besoin. Alors là, c'est là qu'on rigole moins, bazar. Poudre d'os, je vais en prendre. Champignons, je vais en prendre. C'est les champignons, ouais. Ouais, qui permettent d'aller faire pop. Ça en a déjà pris. Laine noire, on aurait sûrement besoin, mais je ramènerai des moutons. Je vais quand même en prendre. Liane tortueuse, pour l'instant, je vais pas en prendre. Bloc de charbon, j'ai déjà pris.
Du cuir, faudrait que je ramène des vaches. Bon là, ça a l'air d'être bon en fait. Et ben on est ready. Et bah c'est parfait. Ah cool, tant mieux Mister Bolé. Lolé. Pas de pierre, pas de construction, pas de construction, pas de palais, pas de palais, pas de palais. C'est ça. Coucou Isabella, pas de soucis, bah tu as tout à fait raison de profiter de ta famille. Hein. Du coup, on va prendre quelques traps. Le coude, table de craft, j'ai déjà pris, j'ai des fours. Le reste, on fera sur place, genre le tailleur de pierre, indispensable. Les fours plus rapides pour les minéraux, ça sera plus pour la décoration, mais on en fera aussi. Bon, bah, du coup, on est ready. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas de netherite pour. Et en fait, vous savez, j'étais mort hier avec mes jambières, donc j'aurais pu. Ne pas remettre mes jambières en fer pour m'avoir mes jambières, et puis je me suis rendu compte que j'avais remis mes jambières. Voilà. 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 Donc on est chargé. Hey, coucou. Oh bah j'ai vu quelqu'un arriver à la vitesse de l'éclair. Ah, c'est golden. J'ai pas de bateau. Que je fasse quand même des économies de des litres de coûte cher les bateaux, je les ai remis après. Ah non, les jambières, bah ouais. Et coucou Aniwax, welcome here. Bon, il est pas si mal ce logo, d'accord, quand même. J'aime assez, ça fait assez futuriste, ça fait ouais, pas mal. Non, pas des jambières IRL. Tous basalte. Donc, du coup, ici il faudra que je vois pour changer un peu le tag. Et puis, je sais pas si c'est le seul portail de l'end, mais en tout cas, il faudra que je mette aussi base d'Oran. Village Zippy. Non, le logo Licube est tellement stylé. Tellement stylé. Non, Aurélient, il a fait un travail juste génial. Je suis pas. Bah, chacun peut avoir ses goûts et ses avis, là, hein, mais moi, c'est vraiment. J'ai fait ça à l'arrache cet après-midi, quoi. Ici. Donc ça c'est chouette parce qu'on a la machine à dupliquer qui est juste là. Donc je pourrais alors je vous propose qu'on fasse le sondage que Lag propose, mais on va faire un sondage pépité, si vous voyez ce que je veux dire les modos. Donc vous allez pouvoir voter pour le logo préféré, celui d'Olicube saison 5 ou Orana Corp, mais pour faire progresser votre avis, vous allez pouvoir corrompre le vote en dépensant vos pépites, vos points de chaîne. C'est pas rigolo. Donc c'est cool, moi j'aurai la machine à dupliquer juste à côté de chez moi. Alors bien sûr, il faudra que j'achète quand même quelques stacks parce que c'est une machine... t'as toujours laissé un compte de chaque côté. Ne pas laisser AFK plus de 30 minutes. Ne pas laisser sans surveillance. En KTMP, sans ZAG, Alps. Oui, merci d'acheter quelques
stacks à IK, voilà. Moi, j'ai déjà acheté quelques stacks à IK, mais effectivement, oui, je leur achèterai. Alors, il me faut tout de suite. Alors, tiens, par exemple, Alp, si t'es toujours dans le chat, quand on dit qu'il faut qu'il y ait un compte des deux côtés, est-ce qu'un compte spectateur suffit? Parce que moi, j'ai deux comptes, mais j'en ai un qui est bloqué en spectateur. Donc, si je mets mon compte spec d'un côté et mon compte normal de l'autre, ça va? Yep, ok, super, merci Alps. Super. Donc, citrouille, immédiatement, c'est la mode quand on arrive chez moi. Pour mettre son casque citrouille. Donc là, c'est pas le moment de mourir, hein, parce que là, sinon, je perds tout ce que j'ai de plus précieux depuis que je suis arrivé sur Rolycube. Compte spec dans l'end et l'autre en survie où il y a la machine, c'est clean. Spec dans l'end, ok, d'accord. Et voilà, nous avons notre magnifique portail moulé à la main, traditionnellement. Il faudra qu'on fasse un truc un peu plus léché hein, pour y aller. Bien évidemment. Donc, nous allons installer des petites trappes pour pouvoir passer sans soussaille. Pareil ici, petite trappe pour passer sans souci. Hop. Et c'est parti. Nous avons donc le logo préféré. Vous pouvez voter en toute non-objectivité, évidemment. Évidemment. Et comme je vois que vous êtes très objectif, finalement, pour l'instant, c'est la team Orana Corp qui l'emporte largement. Alors, nous voilà chez nous. Je sais, un peu froid. Là, vous avez votre casque d'oxygène. Moi, c'est le casque citrouille qui fait office de casque d'oxygène. C'est pas si grand que ça, finalement. Mais on va agrandir. On en voit en fait le bout d'un bout à l'autre quoi. Donc pour l'instant on va tout laisser dans des shulkers parce que ah oulala Rolycube saison 5 qui remonte en force. Oui, il y a des gens qui font du spam click de pépites là. Ça dépense des pépites dans les chaumières là. Au retour du spam click. Spam click avec la combat update. Yes. Et ouais, c'est plus serré qu'au début. Hein. 59-41. Bon, en tout cas, pendant que vous vous déchaînez. C'est pas si large que ça en fait, hein. Mais bon, je pourrais faire des vaisseaux sur le côté. Bon, si, c'est large quand même. Parce qu'en fait, j'ai pas de blocs. Attends, où est-ce que j'ai des blocs de stone? On va placer des repères avec des blocs de stone. Donc, nous disons. Bon, je pense que c'est mort pour le logo Rolycube saison 5. Hein. Il ne remontera jamais. Donc, en fait, il faut imaginer au départ mon vaisseau un peu comme un porte-avions. Et donc, ici, il y aura une piste pour les gros vaisseaux qui voudraient atterrir. Donc là, ici, on aura une espèce de tour centrale qui sera un peu la partie militaire du vaisseau avec le système de commandement et la passerelle de pilotage. Le reste du vaisseau, ça sera tout ce qui est unité de vie, unité de production. Et là, on imagine qu'en fait, le vaisseau ici, je vais couper. Et on imagine qu'il y aura des espèces de foreuses qui seront en train de rogner ce gros astéroïde là en fait.
ce qui, comme s'il était en train de bouffer l'énergie qui est à l'intérieur, en fait. Donc, mon idée, c'est peut-être ici, là. Là, c'est pas mal, en fait. On est quasi au milieu, ici, de faire un premier dôme. Enfin, de pas un dôme. Où il y aura qu'un seul dôme, ici, en fait. Et des petits, là. Mais en tout cas, il faudrait qu'il y ait un endroit où il y ait une sorte de puits central. Je voudrais faire ouais, comme un puits central, donc peut-être là. Là, c'est assez... Peut-être à peu près centré. Le match est très serré, Jean-Luc. Oui, tout à fait, Jean-Marc. Une remontada. Oh là là, oui, la remontada. Oh la vache. Et le vote est quasiment fini. Ah là là. Oh là 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 là. Ça va se finir dans quelques secondes sur une égalité potentielle entre les deux. Entre les deux logos. Oh là 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 là. Le suspense. Et c'est le logo Orana Corp qui l'emporte à 10 votes près. Watch, c'était très serré. Donc c'est Tedios qui a contribué le plus à la victoire de Orana Corp avec 3790 points de chaîne dépensés. Bravo, bravo, bravo. Alors je vois pas... Alors attendez, il faut que j'aille dans les statistiques pour en savoir davantage. C'est toujours un peu rigolo. Où est-ce que je vois ça déjà? Ah, attendez, gérer les sondages. Voir les résultats. C'est ça. Donc c'est rigolo. Bien sûr, ce sondage n'est absolument pas objectif. Donc répartition des votes. Alors, Orana Corp, donc, il y a eu 21 votants seulement qui ont dépensé 5690 points de chaîne en tout. Donc Tedios, 3810. Christo, Lama Fashei, Akalis. Mister Guimauve. Et pour la défaite, nous avons Bison Furieux qui avait dépensé 1750 points de chaîne. Charivari 1550. Mister Guimauve aussi qu'on a mis Mimich. Donc merci à vous d'avoir joué le jeu, c'est bien fun. Ça n'a aucune espèce évidemment de valeur, mais c'est juste rigolo. Merci à tous. C'est rigolo. Donc du coup, si on met ici notre... ascenseur central, on va dire ça comme ça. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Hop, dix, voilà. Deux, trois. Et dix. Un, deux, trois. Nous avons donc un puits central comme ça. Ça me paraît pas mal. Donc ça, ça serait à peu près l'axe central du vaisseau. Qui me paraît assez centré par rapport au... par rapport à la forme globale de l'astéroïde. Sachant qu'ici, on aura une plateforme qui va un peu équilibrer le tout. Et puis là, on aura un gros réacteur. Du coup, la question c'est où est-ce que je mets mes coffres pour l'instant? Parce qu'après, on aurait donc par ici une sorte de coupole. En fait, c'est pas si grand que ça. C'est pas si grand que ça. Ici comme ça, donc si on fait pareil, et là on va mettre 15, 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, avec celui central ça fait 15, on peut faire, on peut aller jusqu'à 20, 16, 17, non, 7, 8, 9, 20, ouais je pense que c'est mieux. Donc 1, 2, 3, 4, 5,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. Voilà, donc une coupole comme ça. Ah, mais en fait, si je la décale, peut-être en mettre une au même niveau, ce qui ferait deux coupoles. Ce qui serait peut-être pas mal pour la symétrie. Donc on va la décaler. On va décaler. Donc pour l'instant, il n'est pas question ce soir de construire les coupoles, hein, vous êtes d'accord avec moi. Là, c'est juste, on place des repères qui sont très largement susceptibles de bouger, et j'ai pas vu, ouais, j'aurais pas dû, c'est pas ça que j'aurais dû bouger en fait, c'est ça. Et salut Biscuit, donc je m'installe dans l'end, je commence ma base, et avant de poser mes coffres, je place quelques repères pour savoir où poser mes coffres pour pas gêner trop les futures constructions par lesquelles je vais commencer en fait. Hop. Donc nous disions, nous avons l'axe central, je vais le tracer l'axe central, je vais le faire autrement, je vais le faire en cobble l'axe central. Roche, c'est pas ça que je veux, pierre, voilà. Je vais poser une shulker déjà quelque part. Oh, adieu. Il a eu le temps de dire adieu avant de mourir. Hop. Donc, si on dit qu'ici c'est l'axe central. À plus Chouka. Hop. Ça nous laisse quand même beaucoup de place ici pour c'est très bien. Pour le centre de commandement en fait. Donc ici. C'est là où il y aura la piste d'atterrissage des vaisseaux. Ah oui, le moumou des Enderman. Je peux les enlever. Hein. Hop, voilà. Les fantômes dans l'end. Ah oui, alors regardez, il faut que je vous montre un truc. J'ai testé les shaders. Alors. Les shaders Luma, vous allez voir ce que ça fait dans l'end. Une salle avec l'hyperdrive. Je sais pas comment je vais la faire, mais ouais je vais faire une salle des moteurs, évidemment. Pourquoi l'end? Parce que c'est ce qui ressemble le plus à l'espace, avec des astéroïdes tout faits. J'ai pas besoin de faire un terraforming de fou, j'ai déjà plein d'astéroïdes en fait. Ce logo Oranacorp qui est raccord avec le logo Mojang. Hop. Donc voilà, Project Luma. Project Luma. Voilà. En fait, on a l'impression que les shaders se désactivent et que du coup, ils gèrent plus du tout les ombres. Donc en fait, c'est moins joli. C'est comme si on avait la luminosité à fond à 100%, quoi. Ensuite, autre shader que j'ai, le Kuda. Et là,
pour faire un effet qui fait peur. C'est vraiment, regardez-moi ça. Parfait, hein? Regardez un peu. C'est juste génial. Je sais pas si je pose une torche. Ah, les Endermen, ils ont des... Ah, il y a un petit bug, j'avais pas vu ça. Et dit, tu as pas dit Mojang, parce que dans l'animosité, elle est même partout, je pense. En tout cas, les Kuda, voilà, ils s'en sortent un peu mieux. Alors, par contre, regardez-moi ses yeux. Donc, je trouve ça assez sympa. Je trouve ça assez sympa. Et alors maintenant, regardez avec des vieux shaders, les Chocapic, mais d'une très très vieille version. Ça m'a fâché, il faut Optifine. Regardez-moi ce rendu. What the fuck? En vrai, je kiffe, hein. Je sais même pas, oui, si je pose une torche, ça fait rien en fait. Alors, je ne vois strictement rien. On ne voit même pas les yeux des Endermen. S'il y a un trou là, je meurs. Parce que je ne vois rien. Je vois pas qu'il y ait de trou. Mais c'est sympa, hein? Enfin, il y a une forme de sympathie. Voilà. Bon, on va. Voilà. Donc, moralité de l'histoire. J'ai pas essayé. Bah, tiens, je peux essayer les cils durs. Les vieux cils durs, hein. Je l'ai fait exprès avec la musique, évidemment. Évidemment. Merci beaucoup pour les follow. Alors avec le style dur. Ah, avec le style dur c'est mieux. Mais en fait c'est comme si j'avais pas de shader en fait avec le style dur. Y a pas vraiment de différence. Pas beaucoup de différence avec le rendu de base en fait. Non, on dirait presque que j'ai désactivé les shaders en fait. Donc voilà, je jouerai sûrement sans shader jusqu'à ce que je trouve un shader qui rend. Je demanderai à Auré s'il a un shader qui rend bien dans l'end. Mais sinon, a priori, on sera sans shader. Sauf si je veux faire des effets un peu dark, à la Dead Space, un peu de l'horreur de science-fiction dans l'espace, quoi. Voilà. Hop. Pardon. Du coup, j'avais posé des torches. Ouais, j'avais pas des torches. Alors j'ai raté le message, du coup il y a du stuff faire dispo dans la boutique Vertac, ok, il y a des P4 Nanig, etc. Ben, moi j'ai me suis servi. Hop, attends, attends. Ok, alors on est en train de placer des repères pour avoir notre axe central. J'ai déjà plus de cobble. Pas envie de la cobble, hein. Mais ça me paraît important d'avoir des repères pour construire ce vaisseau. Non, non, maison hantée, pardon, c'est pas du tout le thème. Hein. Par contre, on pourrait faire un endroit dans le vaisseau qui est accidenté, où il y a des problèmes et tout, avec des étincelles et choses comme ça. J'aimerais faire, comme je suis tout seul dans l'end, a priori, je vais. Pas faire, enfin, je peux me lâcher un peu au niveau des items frame, au niveau des entités, parce qu'il n'y a que moi et je vais construire sur une petite surface finalement. Donc j'ai bien envie de faire quand même des systèmes redstone un peu custom, et j'ai envie de faire des choses
des trucs qui clignotent, des choses qu'on se permet pas d'ordinaire pour éviter le lag, mais que voilà, c'est pas trop grave dans ma zone, quoi. Surtout si je peux tout arrêter. Si je peux tout éteindre, en fait. Donc, revenons-en à nos moutons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on va mettre 9 blocs d'écart. 2, 3. Par rapport au centre. Donc. 4. Ben. Ah. Ah, si ça passe. Ça passe. Ce toit l'Enderman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Ah. Ça passe, hein? Il faut que je mette en lolcat. Mais qu'est-ce que c'est que cette langue? Ça existe la langue du lolcat? Où est-ce que je trouve ça? Lolcat, Kingdom of Cats. Mais il y a des langues, mais tellement j'ignorais jusqu'à leur existence, quoi. J'ai plus d'eau dans le verre. Hop. J'ai pris. En fait, ça, c'est une bouteille thermos, comme ça garde au frais. Et là, je fais de l'ASMR. Regardez. Je sais pas si vous entendez bien, du coup. Je sais pas si vous avez entendu cette ASMR de bouteille qui se... Et où ce médium? Je sais pas ce que j'essaie. Eau fraîche. Dune. How our skin look like. Prefix. Matthias. Come back. Qu'est-ce que c'est que ça? Parler en chat. Ça donne envie d'aller faire pipi. 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15. Donc on aurait un dôme ici. Ça fait pas... En fait, ça fait pas énorme. Ça fait pas un dôme énorme. On verra si on l'agrandit ou pas. On va déjà mettre un autre repère de l'autre côté. Salut, c'est Baucher. Je fais quoi? Je place des repères pour ma future base dans l'End, qui est un vaisseau spatial. Une sorte de base spatiale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et j'ai plus de temps. Oui, je ferai des expansions. T'as tout à fait raison. En anglais, ça serait le chat. Grey Rock. Card Pumpkin. Je sais pas quelle est la logique. Ils mettent des K à la place des C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 20.
Il y a un truc là. Un lolcat ou lolcat est une image combinant une photographie d'un chat avec une légende humoristique dans un anglais écorché, un dialecte qui est appelé Kitty Pitkin, lolspeak ou lolcat. 1, 2, 3, 4, 5. Hey, on voit bien la ah ouais c'est grand vache oh, c'est ouais je voyais ça plus avec de l'endstone qu'avec du pur pur c'est marrant ça. C'est marrant. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Et salut Brancut, je place des repères pour ma future base spatiale. Et en fait, donc l'idée c'est qu'ici il va y avoir un vaisseau. L'astéroïde en fait va être percé de toutes parts pour être transformé en une sorte de vaisseau spatial avec une partie militaire qui sera plutôt vers le bas ici et une partie civile avec des zones d'habitation, des zones de farm, etc. qui sera autour de ces deux croix là que j'ai fait mais qui deviendront à terme des coupoles en fait. Je me demande si je pourrais pas les faire plus grandes même parce qu'elles me paraissent un peu petites. À l'échelle du vaisseau. Donc ici on aurait un accès à tout, donc là j'aurais peut-être la place de faire un autre une autre coupole, on verra, et là autre chose, peut-être pas symétrique, on verra plus tard. Ici donc j'ai 10 zones de commandement, ici peut-être une, bref, bon, parce que si on fait une grosse base ici pour les vaisseaux. Le vaisseau dans Valérien, lequel dans Valérien, lequel vaisseau? Un peu petit hein, quand même. Mais je ferai d'autres dômes peut-être. Ouais, la musique on voyage effectivement. Et salut Caribux. Fun fact, beaucoup pensent que c'est depuis 2005 qu'il y a la culture internet, mais les premiers lolcats datent des années 1870. Ah ouais. Le gros de toutes les nations réunies. Point central, non, c'est pas ça? Mais c'est un peu l'idée, ouais, il y a un peu de ça. Donc je pense que pour l'instant, on va se placer par ici. Alors attendez, parce que ici, si je mets le coin de farm, de ferme, production de nourriture, tout ça, et d'habitation. Si j'ai dit que là, je mettais un gros laser minier, en fait, le truc minier, il vaudrait peut-être plus que je le mette par là. Là, ici, en fait, je ferais bien peut-être un petit coin avec des mineurs et tout. Là, la partie vraiment militaire avec les vaisseaux de guerre, et là, la partie plutôt vaisseau de minage. Donc ici un minage, ici on fera peut-être un peu de cargo ou alors on fera un autre dôme. Mais comme ici je sais pas trop, je pense qu'on va poser notre stuff par ici du coup. Nier. Bravo Oran.
Alors. Donc, on va poser ça. Pour l'instant, on va poser ça là. Allez. Donc ça, c'est des shulkers vides. Ok. Très stack, la vache. Ça c'est quoi? Ah oui, bravo, merci. C'est pas... Et coucou le cutter, c'est pas facile avec ce que tu nous as fait là. Calice. Heureusement que les Enderman ils ramassent pas les blocs. Donc, ici c'est la cobble. Donc. En fait, ce que je vais faire, c'est horrible. Alors quand je dis partie minage, je parle raffinage des minéraux, entretien des machines, des foreurs, etc. Vous pouvez imaginer que ce vaisseau, il se déplace d'astéroïde en astéroïde pour aller chercher ses ressources. Donc il faut qu'il ait une zone dédiée au minage en son sein. Par contre, effectivement, si je veux faire des processus d'extraction, je les ferai sur les astéroïdes d'à côté. Effectivement, tu as raison. Où est-ce que j'ai mis du bois? Rocks. Quoi, rocks, des rochers, voilà. Break from hell. Rock. Dirt. Rare Rock, c'est quoi ça? Ah ouais. Hop. Donc là on hésite. On la fout dans sa shulker à part. Hop. Voilà. Ah, c'est peut-être ça. Peut-être du bois là. Pas du tout. Crafting table. Ah. Voilà ce que je cherchais. Merci beaucoup à Kali, c'est extrêmement pratique. Extrêmement. Donc là, on va mettre les shulkers vides. Le cœur vide, chakri. On va mettre les autres coffres aussi, pour l'instant on n'en a pas besoin. Le cœur vide. Bienvenue à toi, j'entre en scène. Merci, pour... merci à tous pour les follow. C'est vrai que je les salue pas tous, mais merci énormément pour tous les follow. Crafting table. Hop, bah du coup la crafting table supplémentaire, on va la mettre là. Du coup cette shell. Ouh, je vais te taper toi. Du coup, shulker vide. Hop, voilà. C'est quoi ça? Ah, ok. Matériaux de l'end. Donc pour l'instant, c'est un peu laissé là. Hop. Thank you.
Alors, Star Fox, c'est très gentil pour ton follow, mais s'il te plaît, ne spam pas le chat en faisant des comptes à rebours. Tu as senti comme la modération t'est tombée dessus à forte raison. Donc, pas de compte à rebours, mais je te remercie beaucoup pour ton follow. Bienvenue sur la chaîne. Red Rock. C'est quoi du Red Rock? Ok, donc du coup, l'andésite. On peut la foutre là et du coup on va décaler ça, parce que ça c'est un peu fourre-tout. Et donc ça on va le foutre ici. Alors maintenant je crois que je suis comme un couillon parce que je n'ai pas amené mon coffre de land et je n'ai plus de quoi en faire sur moi parce que j'ai du tout foutre dans le coffre de land. Donc j'ai pas le bois en fait. Crimson Fungus, on va le virer. Comme ça, ça fait une shulker vide de plus. Ah, ça c'est le truc un peu précieux. Et ça, Break from Hell. Ouais, c'est tout ce qui est Nether. Ok. Et ça, va falloir qu'on trie. Ok. Ok, ok. Et ça, c'est coffre un peu à bordel. Nourriture, ok. Bon. On va aller chercher. Can I have the whole thing? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mister Guimau, je crois qu'il y a la description de mon ordinateur sur ma chaîne YouTube. J'ai pas de... Enfin, voilà. Là, j'ai trop rien à dire, je... J'ai 12 gigaoctets de RAM, j'ai une GeForce 970, je crois. Un i7, je sais plus combien de... Enfin, voilà. Alors, on va aller rechercher un coffre de land. Élytres, hein, que je fasse pas de bêtises. Ah, je crois que ça duplique. Ça duplique. C'est beau. Donc il y a l'ouzeron qui est par ici. Et donc je vais aller chercher. Ah, j'ai plus. D'accord. Ok. Et j'ai plus de perles. Oui, je me glisse dans le portail. Ça me permet de faire des économies et puis ça, voilà, c'est pas très compliqué. Et puis avec une trappe, t'as aucun risque de te rater et de glisser quoi. Hop. Oui, je vais à la ferme Enderman pour prendre des Enderby. Alors après, rassurez-vous, hein, j'ai le droit d'utiliser la ferme Enderman. J'avais fini un tout petit coup de main à Zanzag, mais c'est surtout parce que comme je suis maintenant résident de l'End, il m'avait fait un tarif préférentiel, un abonnement. J'avais payé, je crois, un bloc de diaps. Je crois que c'est ça. Et je peux l'utiliser de manière illimitée. Voilà. Donc, c'est très gentil et très généreux de sa part. Et j'avoue que j'en profite beaucoup. Alors c'est écrit bizarrement parce que Akalis, dont je citerai expressément le pseudo, a dépensé des points de chaîne pour me faire mettre le jeu en lolcat. Voilà, donc si vous voulez corriger,
et il suffit que vous dépensiez un peu de points de chaîne pour mettre dans la langue de votre choix. Ceci étant, je me suis peut-être installé. Non, je ferai ça là. Ça va, ok. Le projet dont je vous ai parlé que je vais peut-être faire. Hop. Alors, je peux peut-être le faire avec des rocks. C'est des rocks. Donc, rock, c'est là. Rock, ok. C'est quoi ça? Ah, ça doit être mon stuff. Ok, donc ça, normalement, j'aurais pas dû le sortir de Book of the Land. Chuck Norris. C'est quoi ça? Chuck Norris Pension. Ok, donc ça aussi, ça doit rester dans mon coffre. Cobblestone. Cobblestone, donc là, le bois. Et donc, coucou Clint. Alors, normalement, quelque part, j'avais pris, il me semble, oui, des bâtons de Blaze. C'était fait d'exprès. Et normalement, hardest thing ever, j'ai de l'obsidienne. Donc, normalement, je peux faire ça. Et maintenant, je peux faire ça. Voilà. Qui va quand même être, admettons-le, très pratique. Du coup, ces deux shulkers, elles restent là-dedans. Voilà. Donc, ça, c'était ce qui était un peu précieux. 8-8. Merde, on va prendre une shulker vide. Hop. Là, on s'en fout. Alors maintenant, donc là, on va faire des premières choses un peu provisoires. Hein. Je devrais pas faire un toit pour éviter que les animaux viennent sur les shulkers. Pas très grave s'ils viennent sur les shulkers, non? Merci beaucoup à Calice pour la création de la commande. On va créer nos premiers champs. En espérant que ça pousse. Hein. Et comme ça, on va pouvoir faire nos carottes de l'espace. Nos carottes, oui, nos carottes de l'espace. Hop. C'est ça que je voulais. Pour l'instant, ça n'est absolument pas de la déco. Hein. On est d'accord que c'est juste fonctionnel.
pour pouvoir rester dans l'end sans avoir besoin de repartir et donc avoir une source de nourriture disponible ici. Aïe, Clint. Mais oui, exactement. Les carottes de l'espace, je vais les vendre plus cher. Et donc, carottes de l'espace. Oui, quel nom bizarre pour une houe. C'est un viewer qui a exigé ce nom, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas quel trip. C'est ça. Hop. Voilà. Premier champ de l'espace, quoi. Alors, on va mettre un deuxième champ par ici. Salut Manu. Faudra aller chercher un beacon. Je vais aller acheter un beacon après. Parce que je vais avoir besoin de creuser beaucoup de blocs d'endstone. Donc, il me faudrait de quoi être plus efficace. Donc j'ai une shulker, je crois. Voilà. Vous voyez la terre, en fait, je vais en manquer assez vite, je pense. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. Tu revends même prix correct le pseudo le choisissez exotique. Ouais ou je sais pas, carotte de l'espace, space carotte, c'est pas mal. Super Alps. J'en ai acheté un full price, donc ça m'arrange. Ah bah c'est ça que je voulais. Hop. Voilà. J'avais été farmer un peu de glace, je sais plus quand. Pour justement en prévision. Mais il faudrait que je me fasse une source infinie quelque part. Donc, on va planter. Oup, oup, oup. Faudrait pas que je saute en fait. Oh, tant pis. Voilà. Je savais que ça allait faire ça. Hop. Mais j'ai pas centré mon nous là. Quelle nouille. J'avais pas un saut. Je vais y arriver. Je vais y arriver. T'es dans l'Endoran, il pop pas. De quoi? Pourquoi qu'il pop pas? Qu'est-ce que j'ai dit? Space Roots. Renard de l'espace, Space Fox. Les Creepers, bah non, il pop pas les Creepers. Franchement, à part les Enderman, je suis un peu tranquille là. Vous voyez pas? Donc là voilà, ce soir c'est on s'installe, on commence à mettre des petites choses en place pour avoir vraiment les choses de base. Hein, pour juste démarrer.
Mais bien sûr, ça ne restera pas. Hop. Quelqu'un de la Netherrack en trop. Je voulais planter des graines. Du blé de l'espace. Voilà, le blé de l'espace, c'est fait. Les walls des balayeurs à lave. Les balayeurs à lave, quoi. Non, non, ils peuvent pas enlever les blocs de terre, on a mis des anti-griffes. D'ailleurs, Alps, si tu m'entends encore, il y a bien des anti-griffes, hein. Les Enderman, ils peuvent rien prendre. Il me semble. Ok, merci Alps. Hop. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. Et les Space Carottes, elles commencent à pousser. Et salut à tous ceux qui arrivent. Oui, les Space Cakes, ça, je vais en faire des Space Cakes. Je vais en faire. J'ai plus de temps. Pareil, hein, je vais éclairer toute l'île. D'abord à la torche et puis après de manière plus RP, koala. Le charbon, ça s'appelle koala. Pourquoi? Hop. Alors là, j'ai pas grand chose à planter. Parce qu'on va planter des trucs. D'ailleurs, pourquoi j'ai. Si j'ai. Je vais planter la patate et la beetroot. Mais c'est tout en fait. Parce qu'après, le melon, c'est pas comme ça que ça se plante. Bon bah voilà. Voilà. Un vrai space cake. Je pourrais presque. Salut petit croyou. La langue là c'est du lolcat. Bon, on a nos champs. Ils rentrent très très bien sur la base. Super. Ensuite. On va mettre un peu de cactus. En fait, non, attendez. Cactus.
Donc 4, 5. Comme ça en plus ça va me faire une source infinie. Au début ça va être farmer Robinson farmer de l'espace. Sur le timelapse ça fera bizarre un peu tous ces trucs. Je pourrais les camoufler peut-être avec une serre provisoire peut-être. Non, l'île, elle va être incorporée au vaisseau, en fait. Dans le RP, c'est comme si il y a une race quelconque, extraterrestre ou humaine, peu importe, mais en tout cas, qui a pris possession de cet astéroïde pour le transformer en vaisseau spatial, en fait. Donc il va subsister, mais il va être équipé. Alors ensuite, je vais avoir besoin de faire... Je voudrais une alimentation. T'as pas besoin d'eau pour les cactus. Ah oui, je confonds avec les... T'as raison. Par contre, j'ai... Ouais. Je confonds avec les cannes à sucre. Les cannes à sucre, en fait, je peux en mettre plus. Mais non, même les cannes à sucre, j'ai pas besoin de sable, en fait. Donc le sable, on va le garder. Hop. Je vais juste mettre de la terre en fait. Les cannes à sucre. Dirt. J'avais jamais planté tout ça dans le... dans l'end. Je trouve ça cool. Hop. Donc... On va se faire une autre rangée. Pas besoin de source infinie en fait. Hop. Voilà, voilà. Alors ensuite, les cactus. Mettre à côté, hein. Pas besoin d'eau, par contre j'ai besoin de sable. Alors, on est d'accord, pour l'instant il n'y a rien de auto, mais c'est normal parce que les fermes auto je vais les construire de manière RP, donc avant de les construire il va falloir que je fasse un premier trou avec un couloir, avec des choses comme ça pour savoir où j'installe les machines. Donc pour l'instant je vais pas les mettre en auto. Les mettre en manuel. Voilà, de toute façon les cactus je sais pas si j'en aurais besoin de beaucoup, mais peut-être juste pour avoir une petite source de colorant, de piquant. Alors on va mettre du bambou. Alors par contre on va arrêter d'aller près du vide, on va mettre par là. Oh, je casse tout là. Hop, allez, on va mettre du bambou par ici. Une petite rangée de bambou. Voilà. On va faire une petite rangée de melons
et de citrouille. Ça, j'en aurais besoin des citrouilles. On va faire ça là. Pour l'éclairage. Il y a besoin d'eau pour les citrouilles? Je crois que oui. Hein. Non. Mauvaise idée. Les Enderman, ils doivent se dire, mais qui est-ce qui s'installe comme ça? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Melon. Ah, j'ai pas de citrouille. Merde, j'ai que des melons. Ah, faudrait que j'aille chercher. Comment se fait-il que j'ai pas de citrouille? J'en ai corsé plein. J'avais tout jeté. Quelle nouille. Bon, bah, faudra que j'aille en chercher. Alors. Hop. C'est bon comme ça. Hein. Oh, regardez. Du blé là. Qui pousse. Bambou de l'espace, des carottes qui poussent. Nice. Bon, en termes de pouces, on est pas mal. Donc, maintenant, je voudrais faire un truc pour avoir ça là. Parce que en termes de production, ce serait pas mal. Je vais faire ça où? Faire ça là, peut-être. Hop. Alors je fais ça là. Allez, je vais faire ça ici. Donc on va se faire. Ah quoi qu'attendez, c'est pour. C'est haut ou pas? Oui. Donc, rachat de Laura encore par Elon Musk. Oui, Little Limul, je ferai une commande. Ouais. Alors là, pour le coup, je vais déjà faire ce soir un tout petit peu de redstone. Donc. Mais vraiment un tout petit peu. Là, on va mettre la terre. Pour planter les machins. Ici, on va mettre des pistons. Hop. On
Donc j'espère que j'ai ce qu'il faut. Hein. Je vous dis qu'on va faire de la redstone, mais... Je m'avance peut-être un peu. Faut que je mette des pancartes aussi. Faire un peu de bois. Non, le chêne, on va le garder parce que normalement j'ai plein de bois. Voilà. Que j'avais acheté à Auré. Il me faut de la coupe bleue. Hop. Et normalement, là, je peux faire des pistons. Yes. Yes. J'en ai fait même trop. Ensuite, je vais faire un levier. Non, un bouton. Ça suffira, en fait. Hop. Je vais faire vraiment un truc très simple. Pour l'instant, truc manuel. Je voulais prendre des échafaudages. Où est-ce que j'ai foutu ça? J'en ai amené des échafaudages. J'ai pas amené d'échafaudage. Erreur. Bon, je vais en faire. Donc on va descendre ici. Hop. Trop de trucs dans mon inventaire. Vous n'avez jamais vu sur ce stream de la redstone. Fini par arriver. Oh là là, regardez. Nos premières carottes de l'espace. Voilà. Oh, des betteraves. Yes. Quelle honte, le bois d'Hollywood est d'une qualité médiocre tandis que la stonce industrie respecte le bois et farme à la main et on lui est fait. Et les gens pour du bois qui n'a même pas cassé ni même planté. Oui, mais en fait, le bois de Stonks Industries, il a été rasé dans une forêt qui ne repoussera pas. Alors, hop, mais descend. Merci beaucoup pour les follow. Hop. Éclairer un peu ici. Donc. Tac, tac, tac. Il y a vraiment un tout petit peu de redstone. Hein. Mais je devrais... Je vais peut-être en faire plus. Parce que j'aimerais bien avoir une production quand même importante. En attendant que je fasse une ferme auto. Bon, allez, on va déjà faire comme ça pour voir si le principe fonctionne. Le truc, c'est que je suis pas sûr d'avoir emmené du quartz pour faire les répéteurs.
Si je mets la redstone comme ça, que ça active bien les pistons. Pas du tout. Ok. Ok. Oh, Anne, bravo. Donc si je mets la redstone ici. Et le bouton. Voilà, là ça marche. Par contre ici on va pas laisser 3 de haut parce que sinon il y a des Endermen qui peuvent pop. Et on veut éviter ça. Donc on va faire que 2 de haut. Donc ici. La terre, ici. Hop. Hop, hop. Donc maintenant. Pour monter. Que je fasse un petit bouton là-haut. Hop. Ah, je pense qu'il va me falloir un... Il va me falloir un répéteur. Hop. Ou un ascenseur à torche, mais... Alors, ne rigolez pas, ne rigolez pas. Je vais éclairer, tout simplement, le lag. Si on éclaire, en fait, il n'y a pas de souci. J'ai même pas besoin de... Ça marche nickel. J'ai même pas besoin de répéteur, dis donc. J'avais tout calculé, évidemment. Donc maintenant... En fait, on va pas faire comme ça. On va faire comme ça, parce que sinon, on va avoir... Une catastrophe. On va mettre de l'eau. Source infinie. Voilà. Je vais chercher le kelp. Je mets pas l'observeur pour l'instant parce que j'ai pas envie de faire une machinerie automatique, mais je le ferai bientôt, vous inquiétez pas. Mais un autre endroit en fait avec ce sera RP. Ce sera RP. Faudra juste que je creuse et que je trouve à quel endroit je veux le faire en fait. Et donc si je dis pas de bêtises, vous me dites si je me trompe, hein, mais si je fais ça,
Ah, ça marche pas. Ah. On va faire comme ça. D'accord. Je ne savais pas. Oula, 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 oula. Là, normalement, au bout d'un moment, ça devrait pousser. Alors, là, en fait, j'ai été trop loin. D'accord. Hop. Alors, ça va pousser. Bonne nuit à ceux qui sont... Est-ce que vous pensez que ça pousse là? L'idée en fait c'est que ça pousse. Bon, je m'en fiche à quelle hauteur. Moi j'arrive, je vois que ça a poussé, hop, j'appuie sur le bouton et puis voilà. Ah, pourquoi ça remonte pas? Pourquoi ça coule? Bon, c'est pas grave, après 6 mois faut que j'aille le chercher, mais je pensais que ça flotterait à la surface. Et à cause des courants, peut-être. Où j'en suis? Justement, là, c'est ce que je suis en train de faire, Bob. Bah, justement, Thomas, là, en fait, en faisant ça, là, il n'y a plus de courant vers le bas, non? Là, ça tue le courant, ça, quand je fais ça. Normalement. On va réessayer. Après, je peux aller chercher mon truc en haut, en bas. Hein. C'est pas dérangeant, hein, franchement. Là, ça monte. Voilà. Enfin, tout ne monte pas. Bon, pas grave. C'est pas grave. Bon, ça fonctionne. Hey, c'est ma première petite. C'est ma première redstone sur le serveur Holycube. Ça se fête quand même. Pour la peine, on va mettre un coffre. Voilà. Ça me fera une ressource limitée, mais ce sera déjà ça. Info. Un petit coffre ici, comme ça je mets la betterave. Ah, mais elle pousse bien celle-là. Ah non, elle avait pas assez poussé. Ah là là, mais quel dommage. Je n'ai pas la main verte. Je m'abuse d'un observer bloc mis au deuxième bloc de hauteur de quel pourrait déclencher le piston automatiquement. Oui, tout à fait, mais je ne serai pas là pour le récupérer. Donc en fait, ce serait gaspillé. Après, ne vous inquiétez pas, je vais faire des fermes automatiques dans le RP qui seront intégrées à l'intérieur du vaisseau en fait. Mais là pour l'instant c'est juste pour faire pousser un petit peu de choses pour avoir des ressources. C'est marrant, ça pousse uniformément en fait. Pour avoir quelques petites ressources en fait, ici. Mais c'est vraiment pas pour l'instant des grosses fermes. Hein. Mais ça prend vite de la place quand même. Hein. J'aurais pas tant de place que ça sur ce vaisseau. Hein.
Ou alors, ouais, faudra rajouter des extensions. Mais c'est pas grave. Préfère à la limite avoir un truc un peu petit, mais que je vais pouvoir vraiment densifier en fait. Oui, c'est la toute petite redstone, rien du tout. Hop. Alors. Ah, on peut faire de la paquette frozen, mais je veux pas faire de la paquette. Bon. On va se faire un coffre redstone. On va mettre où le coffre redstone? Bon, allez, on va le mettre là. Donc tout ce qui est redstone. On va se faire un coffre de fer. Donc les coffres de bois, j'ai déjà. Ça va aller dans la redstone. Ça, j'ai pas de bois d'acajou, donc pour l'instant je peux pas le mettre. Faudrait que je plante des arbres. Donc ça va aller dans ce coffre-là. Ça va aller ici. Je peux foutre les nénuphars là, ça n'a pas d'importance. Les œufs de poule, pour l'instant, je vais laisser ça là parce que je sais pas trop où je vais les mettre. Hop, donc j'ai pris deux petits coffres, un coffre ici, un coffre là. Du coup, j'ai pas pris assez de coffres. Yes, Skirik, je m'installe dans l'End. Oh, le shulker, le creeper. Je m'installe dans l'End. Et pour l'instant, c'est une toute petite installation, mais c'est juste pour commencer. Avoir 2-3 petites productions, mais ça évoluera, bien sûr. Le pain ici. Le bambou. Voilà. Et j'ai dit que j'allais planter 2-3 troncs d'arbres. Allez, j'en plante 4. On va éclairer un tout petit peu. Voilà. Alors, où sont les fours? Ils sont là. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Hop. Pour l'instant, on va mettre ça comme ça. Redstone. Et du coup, le bois, on le met là. Et ben voilà, on est pas mal. Voilà, on commence à s'implanter. Juste dans une zone qui pour l'instant est comme ça, mais ne restera pas comme ça. Alors,
Hop. On va récupérer un peu de chorus fruit. Voilà. Hop. Voilà. Meal flower. Et du coup, si je dis pas de bêtises, faut faire cuire ça. Pour avoir. Voilà. Exactement. Arrive à Calice. Eh ben écoute, c'est Alps qui m'a montré ça hier. Donc écoute, hein. Depuis hier, on peut. C'est vachement pratique pour récolter. Ça évite de se faire des échelles à la noix. Donc on va ratiboiser un peu par là parce que je pense que par ici, ici même je pense, je vais faire mon premier, ma première construction qui sera peut-être provisoire, on verra. Aïe, je me suis pris ma propre flèche quoi. Aïe. On va mettre ça par ici, hein, j'ai dit. Hein. Par là. En vrai, c'est pratique. Hein. Ça évite de grimper pour récupérer les fruits. Et comme... moi, je vais remplir mon shop avec des produits de l'End. J'ai besoin d'assurer une ressource renouvelable de tout ça, donc... Aïe! Je vais me tuer, en fait. C'est vrai, c'est le fail. Voilà ma première production et du coup, tada, on peut faire des purpures. Oh, purpure bleue. Et ça c'est nice. Et c'est ça que je vais pouvoir vendre dans mon shop. Par contre, il va me falloir beaucoup. Bon, faudra qu'on se fasse une vraie ferme à Chorus. Ah ouais, le premier arbre de l'End, effectivement. Bien vu. Hop. Donc les Marflowers, on va les garder. Hein. Ça nous permettra de, d'avoir une ressource illimitée. Oh les creepers. Bon. On est pas mal. Premier arbre de l'End. Allez, on va le couper. Hop. Juste pour dire. Voilà. Il est bien, hein. Il est bien. Hop. On va pas s'embêter, on va tout de suite planter un. Ça pousse, hein, ça pousse, ça pousse. Oups. Ah, regardez-moi un peu ce farm à l'ancienne. On se croirait revenu aux prémices de Minecraft.
Alors par contre, oui, c'est un peu con ce que je fais, parce que ça se trouve... Hop. Casser les machins. Aïe. Hop. Regardez-moi ça un peu, cette productivité. Je trouve que la terre est très fertile dans l'End. Hop. Hop, hop. Hop. Yes, regardez un peu, je duplique les patates. Bah, Skirik, oui, c'est le responsable de la zone de shopping, donc c'est un peu normal. Puis s'il s'éclate dans ce rôle, c'est tout à... Enfin, je veux dire, voilà, qui s'amuse, hein, c'est tout le monde est là pour s'amuser. Alors maintenant, on va construire notre premier truc ici, notre premier vrai bâtiment RP de la Orana Corp. Hein. Donc pour ça, j'ai besoin de pierre. Ah, attendez, je vais choper mon screenshot. J'ai pas de schématique parce que c'est un truc tout petit, hein, c'est vraiment juste histoire de commencer. C'est vraiment juste histoire de commencer ce soir hein, par un petit truc. Hein. Donc j'ai besoin de pierre, ouais, j'ai besoin de basalte, j'ai besoin de stone, de fer, d'endstone, nana, et j'ai besoin de béton, et ça du béton, je n'en ai pas. Est-ce que j'ai assez, par contre, de basalte? Ça c'est pas dit. Où est mon basalte? Je vais amener du basalte. J'ai foutu le basalte. Il est là. Ouais, c'est bon. Ah, et du fer, tiens. Ah, et puis ça aussi, très utile. Ah, le recyclage. On va mettre ça là. Hein. Le recyclage, j'aurais... Ah oui, non, faut que je fasse pareil que la dernière fois avec entonnoir, tout ça. Bon, je ferai ça plus tard, c'est pas l'urgence. C'est pas l'urgence. Les petites baies, j'aurais pu en faire aussi. J'aurais pu en... Je vais en mettre vite fait. Parce que ça, c'est pas tant la source de nourriture qui m'intéresse que la source de décoration. Voilà. Ouais, on va stocker ça là. Ah oui, il veut tout vendre, oui, bah il veut se faire un monopole, effectivement. Du coup, on va prendre un petit sac à main, on va aller chercher donc du béton. Oui, oui, il y a du basalte, t'inquiète pas, Adkara. Plein, non, mais il y en a un peu. C'est qu'on a un beacon régène ici. Donc ça c'est parfait. Je devrais mettre aussi à la limite pendant que ça régène. Je devrais mettre. Attendez. Voilà. Le live sponsorisé par toutes les entreprises. Sponsorisé aussi par le Cube 40. Ça fait peut-être un peu too much. Hein. Ah mais non, c'est par là le retour. Ah, il y a Vartak qui est ici. Qui farm. Hop. Ça rappelle des choses. Salut Naila, bienvenue à toi.
Et j'ai pas pris de bateau. Attendez. Oh, j'ai la flemme. Oh, j'ai la flemme. Flemme. Toujours please. J'en fais pas un sondage. J'ai la flemme d'aller chercher un bateau. Donc on va acheter un tout petit peu de béton, vraiment pas grand chose, c'est un tout petit truc. Histoire de dire qu'on commence, mais ça va être sympa. Vous allez voir. Trop de sponsors en fait sur ce live. Il est long ce couloir quand t'as pas de bateau. Faudrait que je mette des pancartes aussi pour mes shulkers m'y retrouver un petit peu. Rukizu. On est nombreux ce soir, mine de rien. Pardon, excusez-moi, je baille. Alors je mange. Hop. Oui, on en voit le bout. On en voit le bout. À mon avis, quand je vais arriver dans l'end, dans l'overworld, par contre, je vais me faire cueillir par des fantômes très souvent, sauf si bien sûr passe la nuit, mais zone commerciale par ici. Alors nous allons aller chez Ika Colorant parce qu'à ma connaissance il n'y a que lui qui vend du béton pour l'instant. Colorant. Hop. Et il faudrait que je tienne les comptes de Orana Corp parce que là je crois que je les tiens pas très bien actuellement. Au niveau des dépenses, j'ai rien noté. Ou j'achète un beacon aussi. Alors, j'ai noté que les revenus, mais j'ai pas noté les achats. J'ai pas noté les achats. Bon, je vais noter ça ici, du coup. Achat de béton et puis un beacon. Hop. Sauf que le beacon, je vais pas avoir assez de sous. Donc, le béton. Il me faut du béton jaune. Donc, c'est 3 stacks, 1 diamant. 1, 2, 3. Hop, 3 stacks, 1 diamant. Ensuite, il me faut du béton gris. 3 stacks, 1 diamant. C'est le même prix. Voilà, pour commencer, c'est tout ce qu'il me faut. Et donc, on va regarder le prix des beacons. On va passer à la bourse parce que est-ce que Alps, du coup, a acheté des actions Orana Corp?
Et si c'est le cas, j'ai peut-être un peu plus de trésorerie. Non. Du coup, je ne pense pas avoir assez de sous. Ah, c'est moitié prix, remarque. Moins cher. Ça vaut peut-être le coup. Un pack Biconator, 32 diamants. Pourquoi il n'y a que 16? Bah. C'est bizarre ça. Alors, est-ce que j'ai assez avec ça? Oui. Et j'ai encore assez pour payer Mayuko et Edo. Donc on va prendre un pack Biconator avec du fer. Hop. Voilà. Nice. Donc je note juste vite fait. Beacon 32 et achat de béton, j'ai dépensé 2 diamants. Voilà. Donc le beacon va être très vite utilisé dans la zone. Hein, parce que ça va être très 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 utile pour farmer, évidemment. Aurait-il pas des bateaux qui traînent quelque part? Trop vite. On va trop vite. Allez, allez, allez. Merci beaucoup pour les follow. PLS un soir. Ah voilà, c'est mieux. Ça freine vachement les blocs qui sont mis pour freiner. Hein. Je sais pas pourquoi à chaque fois je pense pas. Mais si, mais là je peux en fait. Du coup, je pourrais peut-être demander si je peux m'occuper de la déco de ce tunnel-là, comme ça je ferai un truc un peu futuriste. Ou alors je trouverai un autre Stronghold, je sais pas. J'ai pas cassé la machine. Faudrait que je mette une pancarte ici. Voilà, Genderman.
Pour l'instant, j'ai pas besoin. Bon, j'ai une shulker en plus. Très bien. On va ranger là-dedans du coup. Hop. Pour l'instant, j'ai pas besoin de creuser pour ce que je veux faire. Donc, on va le mettre en mode vie ou vitesse. Vitesse, peut-être. On va le mettre ici. Hop. 4. Rockney. Et ben ça va très très bien. Très 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 bien. Je suis très 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 content de commencer enfin à m'installer dans ma base perso. Donc ma base qui est dans l'End pour commencer à faire des premières choses concrètes pour mon projet spatial. Salut Anteki, bienvenue à tous, merci pour les follow. On va prendre un tout petit peu de fer. On va mettre vitesse régénération. Voilà. Perfect. Alors qu'il y a d'autres arbres qui ont poussé. En fait, il faudrait que je récupère les feuilles aussi, pas que les troncs d'arbres. Ça va gagner un peu de temps. Alors, un peu de sous aussi. Du coup, on va faire quelque chose par ici. Tout simple. Alors, faudrait que je vois ce qu'il y a en dessous. Ça va, c'est pas trop creux en fait. Ça va. C'est à peu près ici, je pense. Ah, c'est ça qu'on passe, un tailleur de pierre. Tailleur de pierre, c'est quoi? C'est du fer. La stone. Yes. Donc, ça. C'est quoi ça? Oui. Ouais, donc il va me falloir un seau d'eau. Pour durcir le béton, il va me falloir du basalte, il va me falloir un peu de ça. Il va me falloir de la stone. Il va me falloir de l'andésite. Il va me falloir du fer.
Il va me falloir. Ah merde, ah oui, il me faut du quartz en fait, c'est que j'ai pas. Ah, là, il y a du fer. Ah, on va le ranger en fait. Non, il n'y a pas le mode pack. Non, non, non. Par contre, oui, j'ai pas de quartz. En fait, c'est quoi la recette de l'observer bloc? Il faut du quartz pour faire l'observer bloc. J'en ai jamais crafté, je pense pas avoir la recette. Non. Vous pouvez me dire, s'il vous plaît, dans le chat, il faut du quartz pour faire un observer bloc. Que je sais plus comment on fait un observer bloc. Ah, faut peut-être du verre. Et j'ai pas de sable. Il me faut ça. Ah, il faut. Oui, oui, il faut du quartz. Il me faudrait 4 observer blocs en fait. J'ai les recettes? Non? Ah, ah oui, non, mais attends, si je regarde pas une table de craft, t'as tout à fait raison. Tu as raison, merci. Ah, c'est con, il manque juste du quartz. Et j'en ai à la maison. Bah écoutez, on va retourner vite fait à la maison, c'est pas très long. On a un bateau, ça va être rapide parce que je vais quand même faire le truc propre. Et après, faudrait que quelqu'un m'apprenne à faire une petite cloque lente, mais pas lagante, genre que ça clignote. Que les observeurs blocs clignotent en fait. Oups, la machine a arrêté. Normal, Vartak. Oh, il n'y a plus AFK. Vachement quand même. Et coucou Sensu, ça fait plaisir de te voir. Bienvenue à toi. Heureusement qu'il y a des quais. Reviens là. Reviens là. Hop, voilà, tout ça pour ça. Je vais me casser la binette. Et on repart. Non, c'est assez rapide en fait. Et c'est l'accident de bateau, attention!
Merci beaucoup The Devil Black Fox, merci beaucoup pour ton sub avec ton Twitch Prime, bienvenue dans la confrérie des enclumes, merci beaucoup. Je ne sais plus de quel côté il faut que je parte. Faut aller par où? Je vais à l'envers. Merci beaucoup pour le soutien, c'est très 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 gentil. Non, c'est bon, je vais dans la bonne direction. Ouais, c'est bon. Pour l'instant, non, Elkington, parce que en fait, les actions sont cotées le mercredi matin. Et le braquage a eu lieu en tout début d'après-midi. Donc, en fait, les cotations étaient déjà, avaient déjà été calculées pour. Oups, c'est là, stop. Stop. Les cotations avaient déjà été calculées pour la semaine, donc en fait il n'y a que la semaine prochaine, mercredi prochain, que les actions tiendront compte de ce braquage. Et d'ici là peut-être que les responsables auront été arrêtés et surtout que le butin aura été retrouvé peut-être. Hop. Ah bah du coup, c'est reparti. Ah mais Varta qui s'est mis là du coup. Ah, c'est pas exactement le même modèle que sur les difficiles aventures. Nous, on n'a pas cette espèce de piston là. Enfin, cette barrière. Et yo, Brolno. Alors, il va y avoir quelques légers freezes. Parce que je vais lancer mon deuxième compte Minecraft pour faire un petit timelapse. Dommage, les sponsors de ce stream, Oranacorp et Q40, vont disparaître. Alors, j'ai un système de calcul, mais qui est simpliste hein, au niveau de la valeur. Mais après, je peux jouer sur le calcul avec le RP. Donc les événements qui se passent sur le serveur ont un impact sur les cotations, bien sûr, que je contrôle. Et sinon, si je veux laisser libre cours à l'algorithme, il y a une petite formule, mais toute simple. Hein, simple. Pour... choisir quelles sont les actions à la hausse, à la baisse et puis de combien. Bonne nuit Christo, merci beaucoup et à bientôt. Demain soir donc stream normalement aussi sur ma chaîne, hein, on continuera et puis peut-être qu'on s'occupera de ma boutique. Alors, du coup, j'enlève ça. Hop. Je connecte Aura. Là. Ah, mais j'ai oublié d'acheter du béton blanc. Mais quelle nouille. J'ai besoin de béton blanc. Bon, piqué à Vartak. On a besoin de 4 et il va même pas s'en rendre compte. Alors, du coup, on va TP Orana jusqu'à moi. Voilà. Voilà, et je mets la Ranakam.
je vais piquer un peu de béton blanc à Vartak. Bonne nuit. Il y a ceux qui sont... De toute façon, j'ai déjà payé des diamants à Ico Colant, donc j'ai respecté le. Hop. Allez, j'en prends un demi stack. Vraiment pratique d'avoir cette usine à côté. Et salut Noro, bienvenue. Donc nous allons poser les premiers cubes de la base avec une première construction RP. Salut princesse poisson. Ok, donc on va s'installer par ici. On va mettre le matos là. Tac, tac. Hop, hop. Du coup, je vais crafter les observer blocs dont j'ai besoin. Donc, redstone. Redstone cobble. Voilà. Hop, hop. On est bon. Du coup, Orana va se déco. Parce que pour l'instant, elle n'enregistrait pas le timelapse. On va enregistrer. On est parti. Ah, j'ai oublié des trucs. Évidemment. Évidemment, j'ai oublié des trucs. Il ne pouvait pas en être autrement. Et salut à tous ceux qui arrivent, salut Mélissa Marc aussi, salut Pterodactyle, Scandinave, bienvenue, bienvenue. Donc où est-ce qu'on commence? Telle est la question. Où sommes-nous? Faut qu'on soit plus proche du bord. Allez, on va commencer ici. Mais du coup, on va commencer un peu plus haut, genre là. Cette hauteur-là, c'est pas mal. Hop. J'enlève pour récupérer le béton, en fait. Move. Pousse-toi, l'Enderman. Alors, je vais utiliser une technique qu'utilise Zeptuna dans la cité cyberpunk que j'aime beaucoup. À savoir ça. Ensuite, j'ai besoin. Et coucou Calypso.
d'escalier. Ensuite, j'ai besoin de béton gris. Ça, béton gris. Voilà. Ensuite, on repart. Hop, ça va aller très vite, hein. C'est une toute petite construction. Comment Slenderman hein? Vous m'embêtez. Déjà, messieurs. J'aurais dû mettre ma shulker encore plus loin. Je pense que vous avez deviné ce que je construis. Ensuite. Comment j'ai fait là? Bah là j'ai fait l'inverse. On va faire symétrique. Vous m'avez expliqué hier à quel point la symétrie était importante pour vous. Et merci beaucoup Chama ici pour le piste d'atterrissage à Nitra. Ça pourrait. Ça pourrait mais c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai fichu ici? J'ai oublié. Ah. C'est pour ça que ça me paraissait pas pareil. Sas d'entrée. Nope. C'est bien une piste d'atterrissage. Enfin, presque. Presque, presque, presque. Bonne nuit à Calice. À bientôt. Décollage, atterrissage de vaisseau. Yes. Esque. Ah. C'est un peu petit pour faire atterrir des vaisseaux. En fait, c'est pas pour les vaisseaux. J'avais du mal à...
commencer tout de suite par les vaisseaux en fait. Alors, que je dise pas de bêtises. Ouais, j'ai agrandi, c'est bien ça. Piste d'alunissage des drones et presque Marco, j'allais dire exactement presque. Presque, presque. Bon, j'ai pas pris assez de stone. Pas grave, ma grosse réserve est ici. En fait, c'est une... En fait... Quasiment des drones. En fait, faut imaginer que là, on déménage, donc on atterrit, donc on a besoin d'apporter énormément de ressources, de cargo. Et donc en fait, ceci est un endroit pour déposer du cargo, mais simplement faire atterrir des conteneurs en fait, des conteneurs spatiaux. Donc c'est trop petit pour faire atterrir un vaisseau. Par contre, on peut déposer vite fait, c'est des livraisons express si vous voulez, de cargo en fait. Et donc on peut imaginer que ce sont des vaisseaux drones effectivement hein, qui déposent ça. Mais pour l'instant, je n'ai pas fait encore le design des vaisseaux. J'ai juste fait le design de cette petite plateforme et du cargo. Donc on va faire des containers. Donc on va faire quelques containers à côté. Histoire d'inaugurer un peu la zone. J'ai pas un gros aimé. On est quand même presque au-dessus du vide ici en fait. Non. Je suis un PNJ. Ah. Hop, alors ici. Pas trop comment je ferai en dessous. Pour l'instant, on va se contenter de ça. C'est la boîte aux lettres pour Amazon, en fait. Exactement, le Orana Corp Prime. Tout à fait, c'est exactement ça. Le faire un bloc plus haut, mais c'est pas grave. De toute façon, des petites plateformes comme ça, je pense que j'en ferai à plein d'endroits en fait. Ça va être une sorte de chose qui va se répéter plus d'une fois. On a déjà Reset Land en fait, donc maintenant c'est Sea Land et Reset. La zone que je suis en train de faire ne le sera pas. Ouais, c'est bon, j'ai encore des blocs.
Là, je change des dalles en bloc plein. Juste parce que en dessous, ça fera un tout petit peu différent. Mais voilà. Faudrait retravailler ça en fait. Peut-être juste mettre ça. En vrai. Voilà, ça suffit peut-être. Pas besoin de faire compliqué. Voilà. Ok, ensuite, donc ici. À bientôt. À bientôt, à bientôt. C'est de la craquette. Pas de la craquette, moi. C'est que de la craquette. En plus, c'est de la poly qu'il me faut. Alors, poly. Voilà, c'est celle-là que j'avais fait. Move. Oh merde, mais quel con, pourquoi je l'ai tapé? Putain. Mais quel con. Je voulais qu'il se pousse, c'est tout. Voilà, désolé. Alors là, la question c'est, est-ce qu'on met ça ou est-ce qu'on met... Je crois que je vais faire les deux. Mettre de l'andésite en fait. Oh, quoique. Non, je vais rester en béton. Alors, je ne tape plus les Enderman, mais je les pousse quand même gentiment. Hop. Ça prend quand même déjà rien que ça, ça prend un peu de place. Hein. Voilà, donc après... faire un espace de stockage ici. Et en fait, dans cet espace de stockage, j'avais envie de faire un truc genre... Je sais pas si ça va bien rendre.
Yes. La bourse, c'est vrai que c'est un peu complexe. Mais là, effectivement, c'est plus simple. Quelque part. C'est projet spatial. Oui. Là, la question c'est est-ce que je fais je laisse béton en poudre? Je sais pas. Pour l'instant, on va laisser béton en poudre dans le doute. Pas forcément convaincu par les traits là sur le côté. On verra, ça restera peut-être pas comme ça. Alors maintenant, il me faut que j'ai pas. En fait, je vais manquer de polish l'extérieur. Je fais l'USS Enterprise. C'est vrai, ça ressemble un peu. Je suis en combien? Je suis en moins 324, moins 1000. Une grosse merde. Voilà, ça j'aime bien. Pour donner un peu de lumière. Faudrait que je mette la redstone aussi, éventuellement des petites torches redstone, ça ferait bien. Bon, et du coup, sur le côté ici, je vais faire un conteneur qui a été stocké. Et bonne nuit, Mélissa Marcoussi, bienvenue, enfin bienvenue. Bonne nuit et à bientôt. Alors, j'ai besoin d'escalier. J'ai besoin de bloc plein. J'ai besoin de dalles. J'ai besoin de ça. J'ai trop de trucs dans mon inventaire. J'ai besoin de ça. J'ai
stone. J'en ai plus besoin. Ça non plus. Voilà, bon, ça c'est fait. J'en ai plein. J'ai besoin de levier. Merci beaucoup à tous et bienvenue sur la chaîne. Il est déjà minuit. Quand je me dis c'est chouette, on va finir le stream pas trop tard. 5 c'est pas mal. Et j'aurais peut-être besoin de boutons aussi. Alors, ah, je vais faire ça là. En fait, vous voyez, c'est pas assez. Que j'ai fait, c'est pas assez là. Assez long, mais c'est pas grave. Agrandir après. Oui, non, là il n'y en a pas, c'est vrai. Ici je mets ça. Voilà. Donc ensuite ici. Et à peu près. Le symétrique. Et les petits boutons. Et merci beaucoup Albatar pour le raid. J'adore, je suis pas dépaysé de tutu avec le peu d'armure. Oui, c'est vrai. C'est de béton. Hop, j'aurais pas dû. J'ai plus de béton jaune ou je l'ai reposé? Oui, je sais pas. Ah, ou j'en ai peut-être fini un stack. Et du coup, j'ai plus de béton gris par contre. Hop.
quoi ça? Bring a beacon to full power. Et construire un beacon. GG. Et salut, et bah ça build les tout début du commencement d'une base spatiale. Là, je pense qu'en fait sur le côté ça serait pas mal de faire un peu comme ça. Hop. Du coup, on même ici dans le raccord. Ça me paraît mieux. Hop. Merci beaucoup, Tico Bidé. Mais en fait, c'est tout. En fait, c'est fini. Voilà. Pour ce soir, c'est à peu près tout ce que je voulais faire. Donc, je vais déconnecter à la cam. Vous avez dit, hein, c'était vraiment un tout petit. Petit build, mais Orana, je t'ai enlevé, voilà, hop, et là Orana. Donc c'était vraiment un tout petit build, histoire de dire, donc voilà, nous avons une première plateforme sur laquelle on peut déposer des conteneurs de ce type, voilà. Le petit truc que j'ai fait, c'est censé être une sorte de conteneur, mais futuriste, hein, évidemment, c'est pas un conteneur classique, c'est un conteneur futuriste. Et l'idée, pour l'instant, là, je l'ai fait à côté, mais l'idée, c'est que dans un avenir proche, quand j'aurai fait le design sûrement en créa, parce que pour l'instant, j'en ai pas, on verra un vaisseau en train de poser un conteneur ici. Voilà. Donc, un vaisseau de fret qui dépose un peu nos affaires pour le déménagement. Voilà l'idée. Ça prend quand même déjà vachement de place, en fait. Un tout petit truc comme ça. Voilà, voilà, on va voler un peu pour voir ce que ça donne de loin. Il y a une standardisation, ouais, tout à fait. Ouais, notre base en fait, elle va pas être si grande que ça, mais quand elle sera bien peuplée, entourée de différentes choses, ça sera pas mal. Et puis en plus, toujours m'agrandir, et je pense que je ferai des vaisseaux autour, en fait, une sorte de flotte en fait, qui... On verra. C'est que le début du commencement, hein. Ça sera sûrement amené à changer, hein. Mais c'est pas mal, pas mal. C'est le début, c'est un début. Hop, attendez, on prend un petit screenshot pour voilà, pour la miniature. Faudra que je me fasse un point de vue aérien quand même. Comble un vaisseau spatial quand même. Et là je peux pas me rater. Essayer de me poser dans un de ces trucs. Voilà. Bon, évidemment il y a trop d'Enderman, mais on essaiera de rendre ça un peu non spawnable. Voilà. Donc voilà, c'est un début de base spatiale. Très peu de choses, mais faut imaginer que après il y en aura plusieurs, des petites choses comme ça, qu'il y aura des dômes, il y aura des tunnels, des. Pour rejoindre tout ça, des sas. Voilà, voilà. Oui, je sais que je peux tirer avec les Chorus Fruit. Je sais bien. Bien, écoutez, les amis, il est minuit, et donc ça, c'est plutôt cool, parce qu'on va faire un stream qui, pour une fois, ne se finit pas à 1h du matin, et je dois dire que je vais apprécier. Donc, j'espère que vous avez aimé ce petit stream d'installation. On a fait plein de trucs, on a déménagé, on a installé nos premières fermes
classique pour avoir des ressources de production. Tiens, si, attendez, ce qu'on va faire, on va faire juste, hop, je vais remettre les trucs comme il faut. Hop. Et on va juste aller regarder si ça a poussé ou pas. Et bien sûr que ça a poussé. Ouf là. Très peu, disons. Et hop. Récupérons ça. Alors, est-ce que là, j'aurais pas oublié de faire, si possible, le dernier, en fait. Peut-être que j'avais oublié. En tout cas, lui, il est bien remonté. Et voilà. On produit, les amis. On produit pas mal de ressources. Non, le bambou, il a pas beaucoup poussé. Pour une fois. Là, tout le reste a très bien poussé. Hein. Regardez-moi un peu tout ce qu'on a. Ça pousse très bien en fait. Ça pousse très bien. Regardez, on a des patates. Patates. On a plein de patates. Yes. On a un peu de betterave. Très bien. Ah, j'ai pas pu ramasser les betteraves. Hop. Non, j'ai cassé le blé. Non. Quelle horreur. Hop. On pose le blé. Et j'ai pas récupéré de graines. Si, je récupère des graines. Voilà. Et les graines en trop. Dans le composteur sans gaspiller mes fusées, si possible. Bien. Et bah à bientôt les amis, merci beaucoup. Je vais aller faire un petit raid du côté de chez Clint. Effectivement, j'y pensais. Du coup, Clint. Yes. Et bah c'est parti les amis, je vais pas raid, je vais directement host. Merci la pub. Du coup... Les amis, on se retrouve demain pour un prochain stream. On restera dans l'End, mais on fera quelque chose de complètement différent. Donc on verra ça demain. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.